Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous filmer mon shopping pour partir en vacances parce que je pars en vacances la semaine prochaine. Donc à défaut de faire la vidéo habituelle du mois, le shopping du mois, cette fois-ci c'est mon shopping pour partir en vacances. Je vous dirai pas dans cette vidéo où est-ce que je pars parce que j'ai cette petite habitude de ne jamais dire où je vais jusqu'au jour où j'y vais, donc si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Snapchat. Je partagerai tous mes bons plans dans le pays où je serai, les restos, les hôtels, les endroits magnifiques à visiter. Mon compte Snapchat, c'est Arbia qui t'a dit tout coller. Voilà, et n'hésitez pas aussi à me suivre d'ailleurs sur mon compte Instagram Arbia qui t'a dit, là où je partage tous mes looks. Bon ben c'est parti pour cette vidéo. Donc j'ai comme d'habitude fait un gros shopping chez Pretty Little Things, parce qu'on va pas se mentir, c'est un super site internet. J'ai acheté également un peu de choses sur le site Boohoo. J'ai fait du shopping aussi en boutique chez Bershka. Et en fait, j'ai regardé plein de choses également sur le site Fashion Nova. Mais j'avais trop peur de pas les recevoir avant de partir, mais il y avait tellement, mais tellement de choses. Donc je pense que je vais me faire un gros shopping une fois que je serai revenue chez Fashion Nova. Et je vous ferai cette fois-ci un essayage. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas d'essayage malheureusement. Mais je vous promets qu'en vacances, comme je suis sûre que tout sera magnifique, le décor sera tellement beau, je vais vous faire un bel essayage avec quelques vêtements que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je vous reposterai une vidéo une fois que je serai là-bas. Je vais commencer par Bershka parce que c'est là où j'ai le moins d'articles. Donc je sais pas vous, mais moi en fait, quand je pars en vacances à l'aéroport, j'aime bien être confortable. Et j'ai vu ce joli pantalon chez Bershka. Donc c'est un pantalon classique et ce genre de pantalons sont très à la mode en ce moment. Donc moi je l'ai en noir dans une autre matière, mais celui-ci voilà, je l'ai trouvé très joli. Donc avec une jolie paire de baskets et un petit haut ou un body noir avec, c'est pas mal. Donc moi j'ai pris un haut directement chez Bershka, un haut noir, que je vais sûrement mettre avec à l'aéroport. Voilà, voilà. Donc pour les prix, le pantalon, je l'ai acheté à 25,99€. Et le haut noir, je l'ai acheté à 12,99€. Bon, j'ai pas craqué que sur ça. J'ai également pris une paire de chaussures sandales à talons que je trouve très classe et qui passe un peu avec tout. Vous voyez? Franchement, elle est vraiment trop belle celle-ci. Bon par contre je les ai essayées et je pense qu'elles vont me faire mal aux pieds. Mais c'est pas grave, elles sont belles. Le colis Pretty Little Things. Alors, j'ai pris beaucoup de robes. Hein. Je me suis dit que comme il va faire chaud là-bas, voilà, pas trop sur les pantalons. C'est une robe très chic. Donc la couleur, bien évidemment, elle est pas... Enfin voilà, c'est du vert quoi. Donc avec un col mais super joli. En satin, avec une ouverture sur la jambe. Donc la robe, je l'ai achetée à 15€. 15€ seulement. Parce qu'elle est, il y avait de belles soldes sur Pretty Little Things. Je crois qu'il y en a encore d'ailleurs en ce moment. Il y avait jusqu'à moins 70 sur le site. Donc je l'ai eu qu'à 15€. J'ai fait une belle affaire. Ensuite, donc comme je suis pas très maillot de bain, j'ai pris beaucoup de robes pour traîner autour de la plage et de la piscine. Donc j'ai pris cette robe en suédine. Je sais pas trop ce que ça va donner sur moi honnêtement. J'avais pas trop vu sur le site, mais en fait, il y a des motifs. Il y a des motifs, mais elle a l'air vachement... on a l'air d'être vraiment super confortable avec cette robe. Je l'ai eue à 26€. Voilà, et je l'ai pris celle-ci en taille 38. On sait jamais. Oui, parce que c'est vrai que souvent, vous me demandez en quelle taille j'ai pris les vêtements. Et je vous le dis pas forcément, c'est vrai. Mais en général, les robes, je prends du 38 ou du 36. Et les pantalons, 38 ou 40. Va falloir que j'essaye tout. Donc encore une robe, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de robes. Donc c'est une robe courte, mais qui a voilà, il y a une genre de traîne en fait sur les côtés. Et j'aimais beaucoup, voilà, je trouve que c'est pas basique en fait. Je la trouve trop stylée cette robe. Vraiment super canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et pour le prix. Donc robe longue champagne satinée, 31€. Bah elle était plus chère que les autres celle-ci.
c'est une jolie robe jaune moutarde. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous préférez porter ça pour aller dîner ou plutôt durant l'après-midi. Moi, ce sera plus pour l'après-midi. Je trouve que la couleur, elle est vraiment jolie. Et ça rappelle le soleil. C'est une belle couleur d'été, je trouve. On n'y est pas encore, mais là où je vais, ce sera déjà l'été. Prix. Celle-ci, je l'ai eue à 26,25€. Je suis même pas sûre de tout pouvoir porter, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai fait plein d'achats. Je suis sûre que je vais porter la moitié des trucs. Robe classique nude, mais qui fait l'affaire. Donc c'est une robe très moulante, donc si vous n'aimez pas ce qui est moulant, vaut mieux pas l'acheter. Franchement elle est belle et la qualité est top. Elle a l'air bien en tout cas, je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi belle qualité parce que je crois que je l'ai pas acheté cher du tout, je vais vous dire. Bah si quand même, 26€ celle-ci. Là je crois que c'est la dernière robe de chez Pretty Little Thing. Donc c'est une robe blanche à col bateau. Je l'ai prise en prenant une plus grande taille parce que j'avais peur que ça fasse trop court et trop moulant. Donc je l'ai prise je crois en taille 40 celle-ci. Ouais, je l'ai prise en taille 40. Elle a des manches effectivement. Donc je pense que ce sera peut-être plus en fin de journée quand le soleil va commencer à se coucher. Et puis avec le bronzage, je pense que ça va super bien ressortir. Donc ça, à mon avis, ça va me servir à la fin de mon petit séjour. J'ai pris un pantacourt jean. Non, un short. Un short. C'est un short. C'est un short en jean, mais très long en fait, qui arrive au niveau des genoux. Là, j'ai pris un débardeur blanc, donc comme vous voyez sur la photo. Je vais refaire la même tenue, je pense. On part en vacances, on fait aussi des activités. Je sais pas, moi par exemple pour le quad, si j'ai envie de faire du quad, en tout cas, je pense que je mettrai cette tenue. La robe blanche, je l'ai achetée à 31€. Et le short en jean, je l'ai acheté 21€. J'ai craqué sur un petit maillot de bain. J'en ai pris qu'un parce que j'en ai déjà plein, mais plein. Et comme c'est pas non plus des grandes vacances, du coup j'en ai juste rajouté un. Maillot de bain tout simple noir. Avec une petite ceinture qui va au milieu en fait. Donc moi bien sûr avec les maillots de bain, je porte toujours un pareo autour de la taille et des hanches, etc. Parce que je me sens plus à l'aise. Mais voilà, en tout cas j'aime bien quand le haut est beau et qu'il est chic comme ça avec une petite ceinture. J'ai trouvé ça trop chic. Et avec, bah, je vous montre directement. C'est un pareo en fait. Un peu à la Versace comme j'aime. Très joli celui-là. Je pense que je vous ferai une photo aussi sur Instagram avec ce look de plage. Ouais, c'est un kimono pardon. Donc le kimono de plage, je l'ai acheté 23€ en taille 36. Et le maillot de bain noir. Mais alors en fait... ouais, maillot de bain en taille 40, je les prends toujours plus grand parce qu'en général c'est un peu serré. Et je l'ai acheté 26€ le maillot de bain. Donc je sais pas vous, mais moi en ce moment je craque sur les mini sacs à main. En ce moment voilà, je m'achète que ça. Et ben là je me suis dit que pour les vacances ce serait sympa d'en avoir de nouveaux, des nouveaux. Et j'en ai pris un trop mini, un blanc. Bon, pas ranger grand chose là-dedans, mais bon, l'essentiel quoi, la carte bleue et le téléphone. Vous trouvez pas qu'il est cute, franchement. Donc voilà, et j'en ai acheté un deuxième pour aller avec ma robe. Trop joli. Je l'ai celui-ci en rose, je crois que je l'avais déjà montré. Mais je me suis pris en cette couleur-là. Je trouve ça trop mignon et la matière, c'est en suédine. Le blanc, il est à 21€ et celui-ci, je l'ai acheté à... 8€, pas très cher, donc ça c'est cool, c'est une belle affaire. Donc pour les chaussures, j'ai pris une paire de sandales avec un petit talon parce que parfois, moi ça me saoule un peu les talons des fois. Donc là voilà, j'ai craqué sur une petite paire de sandales à lacets, donc qui remonte sur la cheville. Et avec un talon vraiment carré, enfin voilà, vous savez, dans le genre de talon là, on est vraiment...
confortables, on peut marcher toute la journée sans avoir mal aux pieds, donc je me suis dit que ce serait cool de les avoir et elles sont jolies. Ah oui, il me fallait une paire comme ça. Donc c'est une paire de sandales transparentes. Vous savez, en fait, les attaches, elles sont transparentes et ça, c'est cool. Trop jolie avec le bout pointu comme ça d'habitude. Vous savez, c'est un bout carré. Et là, pour le coup, c'est un bout pointu et je trouve ça très, très classe. Ça, ça passe en plus avec plein de couleurs, donc c'est génial. En revanche, les talons moyens. Là, j'ai du mal à marcher avec toute la journée, donc ça, ce sera juste pour aller au resto. Donc, les premières, là, les sandales gold, je les ai achetées 26€. Et les deuxièmes, donc les sandales nude à bride transparente, 31€. Pour terminer, j'ai acheté des petits bijoux. Ah, des petits bijoux. À la base, vous savez que je suis pas très, très, très bijoux. Mais alors, celle-ci... elles sont sublimes, mais magnifiques quoi. Franchement, elles sont trop chic, mais je suis impatiente de les porter, elles sont magnifiques. Vertes pour aller avec le sac et la robe. Elles sont très jolies aussi celles-ci, donc c'est rare, elles sont ce genre de boucles d'oreilles déjà connues. Hein. Donc pour Pretty Little Thing, c'est terminé, je vais vous montrer maintenant les achats que j'ai effectués chez Boo. Et ben je crois que j'ai craqué sur un sac. Et mais je l'imaginais alors, mais pas du tout aussi grand que ça. Donc il est très beau, c'est un sac de couleur nude, il m'en fallait un, j'en avais pas. Je l'ai trouvé super mignon. Je me suis dit que comme l'été arrive, on n'a pas forcément envie de porter des sacs. Donc sac bandoulière, il n'y a rien de mieux pour l'été et surtout quand on part en vacances. Donc je l'ai acheté 17,85€. Vous me connaissez, vous savez que j'adore les pyjamas, j'en ai trop. J'ai fait un tri hier, j'en ai donné plein à ma mère. Je me suis dit, bon, maman, ceux-là, tu les gardes chez toi, comme ça, à chaque fois que je viens, au moins, j'ai un pyjama sous la main. Mais là, ça rentrait plus dans mon armoire, donc c'était plus possible. Et ben, j'aime bien avoir de nouvelles choses, de nouveaux pyjamas. Et après, je me lasse. Genre, je porte mon pyjama pendant 2 semaines, et après, c'est bon, ça m'a saoulée. Ici, il est trop, 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 mais alors, trop chou. Regardez, en fait. C'est un petit haut qui va avec, faut faire un petit nœud. Faut faire un petit nœud là en haut. Et bah, le bas c'est un pantalon où voilà, on est confortable, quoi, on est bien, ça serre pas. Et puis il est trop mignon, c'est des petits motifs cœur en fait sur le pyjama. Je vais le porter quand je serai en vacances. Oui, j'aime bien aussi m'acheter de nouveaux pyjamas quand je pars en vacances. Est-ce que vous êtes comme moi, genre à chaque fois que vous partez en vacances, vous aimez bien acheter des vêtements pour partir en vacances? Donc c'est un pyjama tout simple. J'aimais beaucoup la matière et la couleur. Je crois qu'il y a même des personnes qui portent ça pour sortir en soirée. Donc à mon avis, je suis sûre qu'il devait être dans les deux rubriques différentes. Pour moi, il était bien dans la rubrique pyjama. Et ben voilà. Comme il fait chaud la nuit, etc. En été, ça c'est super pratique. Le premier pyjama avec les cœurs 17,85€. Et ensuite, la robe de nuit satinée, 14,45€. Il me reste un ensemble que j'ai trop kiffé. On a le haut dans un premier temps. Donc c'est une veste, en fait, blazer. Donc c'est un ensemble, en fait, que j'ai vu sur une Instagrammeuse qui a 2 millions et quelques sur Instagram. Je vous mets directement la photo de son look parce que en fait sur le site Boo, la tenue elle donnait pas envie, mais quand je l'ai vue sur le modèle, honnêtement j'ai flashé mais direct. Donc il y a le bas qui va avec comme vous pouvez le voir, et il y a une jolie ceinture aussi qui va avec. Voilà, donc en fait c'est vendu séparément, c'est pas vendu ensemble. Et le haut je l'ai eu à 22,10€ et le bas je l'ai eu à 22,10€. Ça fait quand même un peu cher, hein. Effectivement on dépasse les 40€. Mais bon. Alors pour finir, bah voilà, il reste que des bijoux. Donc j'ai pris un bracelet en chaîne que je trouve très mignon, trop stylé. Voilà, qui va avec un collier d'ailleurs que j'ai pris aussi, très bling bling. Voilà.
J'arrive jamais à m'attacher les colliers moi-même avec les longs ongles que je me fais là. J'ai rendez-vous samedi, donc il va falloir que je coupe un petit peu parce que là je les trouve trop longs mes ongles. Mais bon, c'est pas grave. On est... Le bracelet 4,25€, donc je pense qu'il va rouiller très très vite, donc ce sera juste temporaire. Et pour le collier, à mon avis, ce sera la même chose. Et où est-ce qu'il est le collier? Il est pas dans ma facture, c'est bizarre. Je le vois pas dans ma facture. Bon, j'ai dû l'acheter pour 8€ quelque chose, mais pour pas bien cher. Bon bah voilà, c'est tout pour les achats de mes vacances. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez retrouver un article en particulier. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, notamment durant mon séjour. Je vais essayer de vous faire un petit vlog. C'est pas sûr, je vais voir comment ça se passe parce que parfois quand on est en vacances, on n'a pas du tout la tête à filmer. Et comme voilà, j'ai pas envie de me forcer, je me dis que si j'ai envie de le faire, je le ferai. Et comme ça fera une très jolie vidéo et ça vous donnera plein d'idées si vous aussi un jour vous avez envie d'aller dans ce pays. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous embrasse fort, à bientôt.